What's going on, guys? Donc, comme je l'avais dit, j'ai fait une vidéo avec les jeux, mes jeux à moi, parce que c'est pas les jeux, mais c'est mes jeux à moi préférés de l'année 2017. Et vu qu'on m'a demandé, maintenant je vais faire les jeux que j'attends en 2018. Alors, il y a des gros titres. Si c'est des gros titres, je vais vraiment pas m'attarder dessus, je vais juste dire les noms et puis voilà, en gros. Mais il y a quelques titres en fait qui sont assez spéciaux pour moi, encore une fois, c'est assez des gros coups de cœur. Et je vais expliquer pourquoi. Et ben voilà, du coup, ça sert à rien de parler. Allez, on y va, on commence. Donc, nous avons... Alors, Metro, voilà. Metro Exodus. Je le mets en premier parce que ce genre de jeu, tout le monde l'attend. Voilà, tout le monde l'attend. J'ai joué au premier Metro, j'ai joué au deuxième Metro. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé le gameplay. Voilà, donc Metro Exodus, tout le monde l'attend, moi aussi. Voilà, On passe au suivant. Après, dans la même catégorie du genre je l'attends, tout le monde l'attend et on s'en tape, Red Dead Redemption 2. J'ai spammé. Le premier, je l'ai joué sur Xbox 360. J'ai fait tous les succès, j'ai fait toutes les missions, je l'ai spammé à mort. Vraiment un très bon jeu. Et Red Dead Redemption 2, donc voilà, comme j'ai dit, tout le monde l'attend. Hein, on s'en tape que je l'attende aussi parce que tout le monde l'attend. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas se planter, parce que en fait là ils partent quand même d'un jeu qui a été énorme, qui a été super gros, magnifique. Donc le deuxième, faut vraiment pas qu'il se plante. Je suis pas vraiment du genre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que beaucoup de gens font ça maintenant. Je dis rien, je l'attends, voilà, je l'attends. Je veux voir du gameplay, je veux voir comment... ils ont fait le deuxième, mais j'espère qu'ils ont bien gardé l'esprit de ce que le premier était. Donc voilà, voilà. Je l'attends, quoi, comme tout le monde. Suivant. Après, bah, c'est du même style. On a Monster Hunter World. Alors, pourquoi je l'attends? Parce qu'en fait, j'ai jamais joué à un Monster Hunter, tout simplement. J'ai jamais pu jouer à un Monster Hunter. Parce que bah, du coup, en fait, j'avais pas vraiment les consoles pour. Parce que ça allait chez Nintendo, ça allait chez Sony, enfin voilà, bref. Et j'ai jamais vraiment pu acheter un bon Monster Hunter que tout le monde aimait. Et voilà, j'ai jamais pu passer du temps dessus. Et là, le Monster Hunter World a l'air pas mal. Il y a même une version PC, donc pour moi, c'est parfait. Et voilà, donc celui-là, je l'attends. Celui-là, je l'attends, et c'est surtout par curiosité. Après, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, je sais pas vraiment, j'ai pas encore assez vu pour vraiment me faire une idée. J'espère que je vais pouvoir essayer la bêta qui... Enfin, je crois qu'il y a une autre bêta qui arrive, enfin, je suis pas sûr, une alpha, un truc comme ça. J'espère pouvoir y jouer, tester. Mais voilà, il fait partie de la liste. Alors maintenant... maintenant, on va choisir un jeu d'Electronic Arts. Putain. Enfin, c'est pas exactement Electronic Arts, hein, mais ils peuvent le merder, attention. Anthem. Donc Anthem, ceux qui travaillent sur Anthem, c'est la même équipe qui travaille sur les Mass Effect. Je sais, le dernier a été horrible, Mass Effect Andromeda, ça a été de la grosse merde. Je sais, dites pas que ça va être de la merde, Anthem, parce que j'ai énormément d'espoir. Anthem, ce genre de jeu, c'est un truc que, personnellement, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est une sorte de coup de cœur. J'aime beaucoup tout ce qui est... les mechas, les robots japonais, tout ça. Et là, on a des suits, en fait, des exosquelettes qu'on va pouvoir customiser, tout ça, dans un monde ouvert avec peut-être massivement multijoueur. Enfin, normalement, non, mais on va pouvoir faire du multijoueur. Donc voilà, Anthem, j'attends. C'est un peu mon coup de cœur quand j'ai vu une... Donc, on a vu la vidéo, on a tous vu la même, il n'y a qu'un seul trailer de Anthem. Et personnellement, si le jeu est bon, je pense que ça va être un de mes jeux préférés de l'année. Mais il y a tellement de choses négatives autour, c'est-à-dire que j'avais fait des vidéos, j'avais fait une gaming news par rapport à Anthem. Il y a le chef, le leader, le designer, c'est quoi? Il fait quoi? Le graphique ou des trucs comme... Enfin voilà, il a un job assez important, qui a travaillé sur Mass Effect 1, 2 et 3, donc les meilleurs Mass Effect. En fait, qui a quitté le groupe, donc ce mec-là a quitté le groupe. Allez voir ma news si vous voulez plus de détails. Mais voilà, donc le mec, il travaillait sur Anthem, c'était son nouveau projet, et il est parti. Donc maintenant, il est plus dans l'équipe, il travaille plus sur le projet. Donc déjà, ça, c'est très très mauvais quand les gens commencent à partir pendant un projet.
ça peut rallonger le temps pour le sortir, pour le faire, et puis ça peut créer des problèmes dans le groupe, enfin, donc voilà, c'est super négatif. Puis après, il y a Electronic Arts, c'est vrai que c'est un jeu Electronic Arts, je m'en tape si vous aimez Electronic Arts, déjà, faut pas aimer, mais Electronic Arts peuvent pourrir les jeux, on l'a vu avec Battlefront 2, pourtant le jeu, je le répète encore une fois, Battlefront 2 est un bon jeu, mais il a été pourri par Electronic Arts et leur manque de, je sais pas, d'argent, pourtant ils sont riches, et ça fait peur, voilà, ça fait peur. C'est comme Titanfall, donc Titanfall 2, j'ai extrêmement aimé, donc Respawn Entertainment, c'est ceux qui sont derrière les Titanfall, du 1 au 2 ils ont fait énormément de progrès, le 2 est vraiment bien, et Respawn Entertainment a été acheté par Electronic Arts, donc le 3, car ils sont en train de faire Titanfall 3, ils sont en train de le faire, il va se faire, il va sortir, peut-être pas cette année, enfin pas 2018, mais peut-être l'année prochaine, mais ça fait peur, que Electronic Arts ait racheté la boîte, donc voilà, ça fait peur, et Anthem c'est exactement pareil, j'ai beaucoup de peur en fait autour de ce jeu, mais c'est un des jeux que j'attends, et je prie très fort, Le dieu du jeu vidéo, pas Kojima, mais je prie Dieu Kojima que Anthem soit un bon jeu. Voilà, j'espère que ce sera un bon jeu. Mais bon, si ça ressemble à un Destiny 2 ou un truc comme ça, je passerai, mais ça me fera vraiment mal au cœur, quoi. Suivant. Alors après, nous avons alors Phoenix Point qui devrait sortir 2018. C'est en Kickstarter, donc c'est ceux qui sont derrière le tout premier XCOM. Donc ça va être un jeu mélangé entre XCOM et les premiers Fallout. Donc les premiers Fallout étaient plutôt stratégiques. C'est pas les Fallout à la première personne qu'on connaît maintenant. Mais ça va être un très bon jeu à la XCOM. Donc Phoenix Point, je laisserai un lien dans la description parce que je suis sûr que personne connaît. Mais c'est en Kickstarter. C'est un des Kickstarter que personnellement, même moi, j'ai balancé un peu d'argent dedans. Pour pouvoir jouer à la bêta, tout ça, quand elle sortira. Parce que je pense que ça va être un très bon jeu. Et je pense qu'il a été... je crois qu'ils sont arrivés à leur but hein, du Kickstarter. Hein, donc je crois qu'on peut même plus de leur donner de l'argent. Enfin, vous pouvez toujours donner de l'argent, mais voilà, ils sont arrivés à leur goal. Donc voilà, donc ça promet. Ce jeu promet énormément. Ça va être un mix de Wasteland 2, par exemple. Wasteland, XCOM et les premiers Fallout. Donc voilà, très intéressant avec des aliens, le monde assez sombre, beaucoup de morts, enfin les aliens ont tué beaucoup de gens, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ouais, un jeu que j'attends beaucoup. Et après pour finir, alors je sais, j'aurais pu rajouter beaucoup plus de jeux, donc par exemple Agony, j'ai testé la bêta, c'était la démo plutôt, c'était bien, je l'attends aussi, mais... S'il sort pas, ça me dérangera pas, donc j'en parle pas, voilà. Mais le dernier... quoique non, en fait, c'est pas exactement le dernier. Non, on va parler d'un autre jeu avant, que personne connaît non plus. Hein. Ça s'appelle Left Alive, voilà, laisser vivant. Ouais, c'est pas laisser pour mort, c'est laisser vivant. Alors, Left Alive, on a vu un trailer de quelques secondes. J'essaierai de le récupérer et de le montrer en même temps. Alors, en fait, c'est les bagages qu'il y a derrière ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens en fait, qui ont travaillé sur les Front Mission, sur les Armored Core, je crois aussi. Et apparemment, c'est des on-dit, et j'ai peur que ça soit faux, et franchement, je vais pleurer si c'est faux. Ça se pourrait que ça soit une sorte de nouveau Front Mission. Donc, putain de merde, quoi. Les Front Mission, mais pas le Front Mission Evolve, le dernier, qui était pourri, hein. Les anciens Front Mission, peut-être, on sait pas. Donc, c'est des mechas, c'est les robots, moi je kiffe. Et voilà, alors j'espère vraiment que c'est ça. Si c'est autre chose, bon, bah, ça sera autre chose, hein. Mais j'espère vraiment que ça va être ça. Je croise les doigts à mort pour que ça soit un mix, peut-être, de Front Mission et de Armored Core. Donc, vraiment, les trucs de mecha, tout ça, qui manque en fait, ça manque maintenant dans nos 5-10 dernières années, on n'a pas vraiment eu de gros jeux méca bien, et ça pourrait peut-être changer, et voilà, donc bon,
Je sais, personne connaît, personne l'attend, parce qu'on a vu un petit trailer, et c'est des vieilles franchises, en fait, genre Front Mission Armored Core, c'est... tout le monde s'en tape, plus personne connaît. Mais bon, il y a encore des vieux comme moi qui connaissent et qui attendent beaucoup de ces jeux parce que ça a marqué notre enfance, donc on veut que ça ressorte. Voilà, donc Left Alive en fait partie. Et voilà, en tout cas c'est un jeu que je couvrirai si jamais on en a plus. Et si c'est pas du tout comme ce que disent les gens, bah voilà, on jettera à l'eau, hein, et on passera à autre chose. Ok, maintenant le dernier, par contre je vais me faire balancer des pierres. Ouais, par contre là, ouais, ça va être Intifada là par contre. Alors, le jeu que j'attends beaucoup de 2018 et qui sortira en janvier, donc dans pas longtemps. Metal Gear Survive. Vous avez entendu ou pas? Metal Gear Survive. Alors oui, Metal Gear Survive, oui, ah, oui, je sais. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Je sais pas, moi je l'attends, parce qu'il a l'air cool, puis voilà quoi, merde. Faites chier les gens à me demander ce que j'aime. Voilà, Metal Gear Survive. Je vais toujours répéter exactement la même chose. C'est que j'ai beaucoup aimé le gameplay, enfin non, j'ai adoré le gameplay de Metal Gear Solid 5, j'ai adoré Metal Gear Online 3. J'ai joué, je crois que je suis à 500 heures en fait dans Metal Gear Solid 5. Enfin non, même plus peut-être, même plus. Donc voilà, top. Et j'adore les zombies. J'adore tuer des vagues de zombies. J'adore la survie. J'adore créer des camps, j'adore manger et boire. Et Metal Gear Survive, en fait, c'est un mélange de ça, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas le jeu. C'est con, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est un mélange d'un super gameplay, avec de la survie, et du craft, et tout ça. Et voilà, c'est un mélange de tout ça. Bah voilà, je vais pas cracher dessus. Donc voilà, j'attends beaucoup Metal Gear Survive, et voilà, j'espère que ce sera un très bon jeu, et tous ceux qui détestent parce qu'ils aiment pas Konami, bah fermez vos gueules quoi un peu, voilà, et prenez le jeu pour ce qu'il est, peut-être un bon jeu, voilà. Même si vous détestiez par exemple Electronic Arts, mais que Battlefront 2 était un super jeu, sans lootboxy, sans problème, et ben voilà, je serai le premier à dire, bah tiens, j'aime pas Electronic Arts, mais des fois ils pondent des bons jeux, voilà, je serai le premier à le dire. Et bah là, c'est ce qui se passe avec Metal Gear Survive. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas le merder. Voilà. J'essaye toujours de me justifier pour Metal Gear Survive, mais au final, je m'en fous si vous l'aimez pas. Si vous l'attendez pas, bah tant mieux pour vous. Et vous attendez Destiny 3, qu'est-ce que je m'en fous, moi. Allez, faites chier. Hein, non, j'ai pas raison. Mais si, j'ai raison. Ouais, j'ai toujours raison. Voilà, ça, c'était ma liste. Bon. Bon, faut arrêter les commentaires en me demandant ce que j'attends pour Noël ou ce que j'attends dans le mois, parce que ça part toujours en couille. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires, peut-être des jeux auxquels j'aurais pas pensé. Après, comme j'ai dit, il y a certains jeux que j'ai pas trop parlé. Par exemple, Agony, je sais qu'il sort en 2018, je sais qu'il est bien. Mais s'il sortirait pas, voilà, ça me dérangerait pas plus que ça. Voilà, donc j'ai pas mis ce genre de type de jeu, quoi. Voilà, j'ai mis vraiment ceux que j'attends et que je vais jouer. Voilà. En tout cas, ce sera tout. Comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, hein, si vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, bah, vous faites chier. Vous devriez être déjà abonné. Et puis après, il y a toujours Twitch. Vous pouvez toujours venir et puis on parle. Et puis voilà, si vous faites chier, je vous vire. Bon, on va arrêter la vidéo parce que là, je commence à dire de la merde et c'est chiant. Voilà, c'était ma liste de jeux attendus 2018. Et la liste aussi, vous pouvez la retrouver en fait sur le programme de la chaîne Twitch, parce que j'ai mis en... Parce que beaucoup de gens en fait me demandaient pas mal de ce genre de choses en live, donc j'ai mis programme des streams à venir. Comme j'ai dit, donc pour le moment c'est du Warframe, mais ces jeux-là que je viens de citer en fait font partie de la liste que j'ai mis, et que vous allez sûrement, possiblement voir en Twitch. Donc voilà. Allez, à la prochaine, ciao.